quoi. Ouais, c'est carrément le retour aux sources. C'est différent en fait des gens que je connais pas. Voilà, c'est vrai que Saint-Césaire, je connais beaucoup de monde. Et donc du coup, je préfère raconter ce que j'ai vécu là-bas parce que c'était vraiment génial à des gens que je connais. Et puis c'est surtout que là, ça me fait vraiment plaisir. Je passe un super bon moment avec tous ces gens. Donc voilà. C'est peut-être le moment le plus décontracté, le moins protocolaire de tout ce que vous allez vivre, c'est important. C'est ça, c'est le moment, c'est vraiment un des meilleurs moments là depuis que je suis revenue. Voilà, il va y avoir Isola aussi samedi, ça va être vraiment vraiment cool. Mais voilà, je pense que les deux, Isola Saint-Césaire, ça va être les deux moments les plus chouettes que je vais vivre au niveau pour fêter ma médaille. Est-ce que vous avez été ému par les petits-enfants qui étaient tous là, donc ils n'avaient pas école ce matin, ils sont venus, ils vous ont applaudi, c'est sympa. Oui, c'est super cool. Je suis super contente, ça me fait tout bizarre d'avoir des petits qui crient mon nom, qui sont contents et qui sont heureux d'être là, donc c'est super. Une dernière chose, j'entendais tout à l'heure, parce que je préparais le truc, mais j'entendais que vous leur disiez, je suis la preuve qu'on peut y arriver, simplement il faut bosser, c'est le message que vous voulez faire passer. C'est le message que je veux faire passer, parce que voilà, les gens ils disent 16 ans, c'est que du talent, parce que c'est pas possible et tout, mais non, 16 ans, j'ai quand même beaucoup travaillé, et j'en suis là aujourd'hui, donc je suis super fière, et comme j'ai dit, celle-là c'est la médaille à tout le monde, donc voilà. Merci. Merci à vous.